Vouloir adapter L'Homme qui rit au cinéma, pour moi, c'est une très longue histoire. Ça commence d'abord par un souvenir, non pas de lecture, mais de télévision, en fait, puisque j'avais, je crois, 8 ou 9 ans dans les années 70, quand ça passait à la télévision en feuilleton. Et quelques années plus tard, je crois, 15 ou 16 ans, j'ai voulu lire le roman, et qui m'a absolument bouleversé dans un moment où, en plus, moi, j'étais un adolescent très complexé, parce que je faisais 2 mètres de haut, donc j'étais complexé par ma taille, et j'étais attiré par les histoires de monstres, quoi. Et ça m'est toujours, toujours resté en tête, quoi, comme un rêve, quoi. Un jour, je ferai un film de cette histoire. Alors il a fallu attendre longtemps parce que c'était tout de même très difficile à adapter. Mais il y a quelques années, je me suis senti prêt et on s'est lancé. Moteur, s'il vous plaît. Ça tourne au sort. Adapter un livre, c'est surtout ne pas l'illustrer, quoi. Je ne fais pas une illustration du livre, j'en fais une adaptation. C'est-à-dire qu'il faut avoir un parti pris. Et un désir. Mon désir, c'était de raconter l'histoire de ce Gwynplaine, de retrouver quelque chose de mon adolescence. Alors le premier parti pris qu'on a eu avec Guillaume Laurent, le scénariste, ça a été de dire, je ne vais pas faire une reconstitution historique. On ne saura pas ni où ni quand l'action se déroulera. Donc vraiment de faire ressortir le portrait d'un adolescent et dans lequel un adolescent d'aujourd'hui puisse se retrouver. Parce que c'est le génie quoi, de gens comme Victor Hugo, hein, d'artistes comme Victor Hugo, c'est que c'est absolument intemporel. Quoi. Ça parle absolument du présent, de l'éternité de l'être humain, quoi, hein, qui est fragile, qui est à la fois idéaliste et peut se laisser corrompre, qui est pur et impur. Il parle de chômage quand même, hein, il parle de l'épuisement des pauvres est horrible. C'est quand même ce discours-là contre les financiers, contre les profiteurs. Enfin, c'était valable en 1869, c'est malheureusement valable en 2012, mais c'est ce cri du peuple. Et mon grand espoir, c'était, moi qui ai aimé ce livre quand j'étais adolescent, c'était de pouvoir toucher les adolescents d'aujourd'hui. Pardonne-moi, Dea. Je ne pourrai jamais te rendre heureuse. J'ai peur que tu te sois trop attaché à Gwynplaine. Tremblez, messieurs! Un jour, vous ne serez plus les maîtres! Mon fils, tu as mordu dans le fruit d'or. Tu vas recracher la bouchée de cendre. Je suis l'homme qui rit!